Au début du mois de juin, le prince William a vendu des magazines avec les sans-abri. L'éradication du sans-abrisme est une cause qui lui tient à cœur. Le duc de Cambridge rend hommage à sa mère Diana dans son article paru dans le magazine Big Issue. Le moins qu'on puisse dire est que le prince William est vraiment sur tous les fronts. Le fils aîné de Lady Diana et du prince Charles, 73 ans, a à son actif plusieurs engagements officiels. Doué d'un grand cœur et du sens du devoir, le mari de Kate Middleton, duchesse de Cambridge, 40 ans, a l'habitude de se mêler aux gens. Si est-il ce qu'il a prouvé une fois de plus en vendant des magazines Big Issue au début du mois de juin. La veille de son 40e anniversaire, le prince William, duc de Cambridge, est en couverture d'un des numéros du magazine de rue. Le 20 juin 2022, Big Issue publie un article écrit par le duc de Cambridge lui-même. Le fils aîné de Diana, qui vient d'avoir 40 ans le 21 juin, revient sur son séjour auprès des sans-abri essayant de gagner leur vie en vendant les magazines Big Issue. Ils sont facilement reconnaissables avec leurs gilets rouges, leurs panneaux en carton ou encore leurs tasses vides. Le temps d'une journée chaude et ensoleillée de juin, le prince William, duc de Cambridge, a vendu des magazines auprès de Dave, un vendeur de magazines de rue sans abri. Je voulais découvrir l'autre côté de la médaille et voir ce que c'était que d'être un vendeur Big Issue, peut-on lire dans l'article Prince William, un duc au grand cœur sur les pas de sa mère Diana. J'avais 11 ans quand j'ai visité un refuge pour sans-abri avec ma mère, qui, avec son style inimitable, était déterminée à mettre en lumière ce problème, a écrit le prince William, duc de Cambridge, pour rendre un hommage touchant à la princesse Diana dont il a hérité son altruisme. Le papa de George, 8 ans, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans, croient intimement que le sans-abrisme peut être éradiqué. Le prince William compte initier ses propres enfants à cette cause qui lui tient à cœur comme sa mère Lady Di l'avait fait pour lui. Et dans les années à venir, j'espère amener George, Charlotte et Louis voir les organisations fantastiques qui font un travail inspirant pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin, tout comme ma mère l'a fait pour moi, a écrit l'époux de Kate Middleton vers la fin de son article.